c'est quoi le sport. Et puis c'est un peu la version des personnes qui sont ici au foyer de Quincampoix. Et donc l'objectif c'est de faire un peu un micro-trottoir pour connaître un peu leur avis. Donc on va sonder un petit peu ces personnes. David, pour toi c'est quoi pratiquer le sport? Savoir connaître le sport, comme par exemple le hockey, le ping-pong, le foot, le hand. Ça, c'est tous des trucs de sport connus. Il faut savoir, faut être pas actif que pour être sportif dans le sport. Et quand est-ce que tu fais du sport toi? Moi c'est le mercredi. C'est mercredi? Ouais. Et tu fais ça où? À l'Ufolette. Ah d'accord. Avec qui? Bah je fais ça à l'Ufolette des fois. Et avec qui tu fais du sport? Avec toi. Patrice, tu veux faire une équipe? Oui, c'est moi qui l'a fait. Ok, alors tu fais face à tout le monde. Tout le monde, allez vous asseoir. Allez vous asseoir, on est sur l'espace. Non. Attends, mais pour l'instant, tu t'assois. Toi-même. Bon, là, bientôt. Alors. Tu veux. Ah non, il participe pas. C'est quoi, tu dis vrai? C'est vrai, vous pas bien. Le but du jeu, attention, sous forme de relais. Tu te rappelles ce que c'est qu'un relais déjà? Oui. Ah ouais, oui. C'est bon, c'est... Oui. On va faire les deux choses, on prend la main de l'autre, qui n'y part. Ok, donc il faut bien préparer sa main. Ouais. Une fois qu'on a tapé dans la main, l'autre peut prendre de l'eau et puis on lui l'amener. Okay. Oui. Attention. Le sport, c'est le ping-pong. Oui. Le tennis. Oui. La balle aux prisonniers. Ah, c'est une bonne idée, ça aussi. Hop là, vite, vite, recule, 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 recule. Allez, Patrice. Vas-y, Patrice, allez. Non. Oui. C'est quoi, là? Vas-y. Allez, essaye de toucher quelqu'un. Là, Sandra. Ouais, presque. Ouais. Récupère. Vas-y.
D'accord, si vous êtes de côté. Tu vas en prison. Allez. D'accord. De l'autre côté. Allez, vas-y. Allez. Et c'est vrai qu'on va gagner. Non, on va gagner. Ouais, c'est sûr. Allez, Patrice, on est allez, Patrice. Allez, Patrice. Escalade. L'escalade, oui. Ping-pong, on m'a parlé tout à l'heure. Mm-hmm. Vélo dans le village. Vélo dans le village. Et tu vas en faire avec qui, en fait? Bah, des fois, tu sais. Oui. Des fois, on a un groupe. Donc, tu aimes bien en faire tout seul aussi, alors? Ouais. D'accord. Voilà. On fait des dribbles, tout ça. Aurélie, t'aimes bien le basket? Ouais. Tu peux nous en parler? Et t'en fais où? Bah, j'en faisais avec mon prof de sport. D'accord. D'accord. Et tu fais quoi d'autre maintenant? Bah, là, on faisait. On travaillait sur le badminton, tout ça. Mm-hmm. Bah, c'était pas une interview sportive, hein. On n'a pas bougé beaucoup. Hein. Oh bah, si tu veux, on le fait en courant. Allez, on y va. Allez. J'ai pas vraiment la tenue aujourd'hui, mais bon. C'est pas grave. On sait jamais. T'es un champion, Arnaud. Allez, Arnaud, vas-y. Ouais. Avance tes fesses, encore. Bon, Arnaud, on essaye de trotter. Ouais. Tu penches, Arnaud. Tu penches, Arnaud. Redresse-toi, voilà. Voilà. Avance-toi un peu peut-être. Ah, ça donne chaud. Hein. Voilà, c'est dans homme d'entretien ici. On voulait savoir en fait, c'est quoi pour toi le sport? Le sport, c'est avant tout une question de physique, de santé, et puis d'épanouissement. Très bien. Et t'en pratiques au quotidien? Oui, tous les dimanches je joue au football, je fais de la motocross. La semaine je fais de la boxe. Et puis je pense que c'est déjà bien.
Tant mieux, c'est parfait, merci beaucoup. De rien. Au revoir. Au revoir. Merci Jérôme. Ah, moi aussi je peux jouer au foot, merde. Dehors, j'ai dit. Oh non, je peux dehors. Qui c'est le plus balèze? C'est tonton mayonnaise. Qui c'est le plus costaud? C'est tonton colaro. Quand il